Bonjour à tous, on se retrouve pour ce dimanche, le premier dimanche de décembre, qui n'est pas un dimanche comme les autres. Et oui, on va gratter donc le ticket numéro 10 dans quelques instants. Mais tout d'abord, un petit coucou à tous ceux qui vont travailler le dimanche. Un, qui ne sont pas volontaires, c'est forcé. Deux, qui ne sont pas payés double. Trois, qui ne sont pas payés triple, car oui, ils sont dans le droit commun, ils n'ont pas de convention collective. Et on leur dit, bah non mon pote, tu bosses pour 80 balles, et en plus, c'est même pas récupérable. Voilà, j'espère que tu te fais enfler avec le sourire. Je n'oublie pas que sur ton lieu de travail, eh bien, ce n'est même pas chauffé correctement en hiver, qu'en été, eh ben, c'est une fournaise, que quand tu vas, hop, sur le parking chargé du matos à tes très sympathiques clients d'ailleurs, ils sont vraiment sympathiques parce qu'ils sont bien énervés parce qu'il y a du sous-effectif en permanence, eh bien, vous vous caillez, vous n'avez pas de protection contre le froid, vous n'avez pas de protection contre la pluie, et vos chaussures de sécurité, vous n'en avez pas non plus. Donc vous flinguez vos pompes au fur et à mesure, vous les achetez. Et puis tu fermes ta gueule et puis t'es content. Puis quand tu fermes pas ta gueule, et ben on te vire. Donc voilà, et bien bon courage à eux pour se faire enfler comme ça, avec le sourire s'il vous plaît. Oui, il faut quand même se faire enfler. Il n'y a pas que la FDJ hein, qui vous enfle dans la vie, il y a votre employeur. Déjà le ticket numéro 10. Numéro 10, il me semble que c'était un vieux jeu vidéo, je crois. C'était sur MO5 avec Michel Platini. Numéro 10. Allez, c'est parti. Ah, oh, ben voilà la lettre que j'aurais tant souhaité avoir sur la précédente grille, le I. Allô, bio. Tourisme, Inuit. Donc là, on en a deux. On va sur les rails pour se faire rouler dessus par notre ami le train. De toute façon, on n'a aucun risque, il roule jamais les trains de la SNCF. Hein. Aisé et tiède. Donc là, ça fait une grosse moisson. Donc le roi, il est là. On va aller dormir. On a un petit lit. Hop, on a une toile. Et là, il n'y en a que trois. 3, 3, 3. Cité. Hop. Ouais. Opposé. Diadème. Ça nous en fait 3. Et moi. Sauf que là, il faut vachement de haut pour pouvoir compléter le moindre mot. Donc s'il ne me donne pas de haut, cette grille est à mettre à la poubelle. Donc Jokari. Donc là, ça nous en fait 5. Donc pour l'instant, on a, grâce à une seule lettre, dépouillé pas mal de choses. Mais c'est normal, c'est une voyelle. Alors. U, une autre voyelle. Yes. Alors, voilà. Après, ça va être, à mon avis, le grattage de l'angoisse, parce que pour trouver les bonnes consonnes, ça risque d'être chaud. U, U. U, ouais, bah ok. En fait, c'était plutôt du O qu'il aurait fallu, peut-être. Intel. Hop, qu'est-ce que c'était celui-là? Résultat. Que 2. Ouais, il aurait mieux fallu avoir un O. Hein. Aïe, 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 aïe. Hop, U. Valeur. Euro. Duc. Repu. Ça nous en fait 4. Ça nous en fait 4. Bon. Bon, bon, bon. Alors là, pour l'instant, en deux grattages de lettres, on a déjà fait dégager quand même pas mal de choses. Ça change d'habitude. C'est une bonne nouvelle. Donc on va le prendre en bas. Alors le J. Oui, ben, j'ai rien du tout. Ah, j'ai le Jokari, c'est tout. Alors, Jokari, et on va regarder s'il y a un autre J qui se cache quelque part, mais non, 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 il est bien tout seul. Bon, ça, c'était pas de chance. Alors, on va continuer la même technique qui va nous apporter la même désillusion. Oui, c'est rien du tout, là. Il n'y a pas de C, là, il y en a un là. Alors, 1C, 2C, tout. 3C, et comme ça on est content, ouais, superbe. Content, content. Cité, il n'y en a qu'un, là. Cité, cité. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, ça a fait 1, 2, 3, 4, 4 lettres seulement.
4 lettres. Hop, 4, 4, 4. Les lettres de l'alphabet. Donc, V. Je crois pas que j'aurais vu ici. Non. Et ben, il n'y en a pas non plus ici. Ouais. Et puis, on en a une là, qui s'est paumée, pour valeur. Et ben voilà, la lettre V ne vaut qu'un seul essai transformé. Bon, bon. On va continuer là-dessus. P, je crois que c'est pareil, parce qu'il n'y a pas de P là. Mm-hmm. Yes. Là aussi. Repu. Oh, on a deux. On a repu et opposé. Repu, opposé. Et puis c'est tout. Donc on continue à se gratter, non pas le derrière, mais la plaquette qui, cette fois, nous donne encore une voyelle. Une voyelle qu'on devrait peut-être retrouver en surnombre, on l'espère. Donc A, bon, il y en a deux. Gala, il y en a deux. Rail, on en a une. RAS, rien à signaler, mon capitaine. Voilà, ça nous fait déjà encore 6 lettres de disparu. Là, celle-ci va être moins généreuse parce que là, dorsale. Voilà, on en a 2, 6, 2 et donc 0. Où on en vient à Jokari, 1, diadème, 2. Bon, ça nous fait 2 mots qui sont concernés. Jokari et diadème. Bon. Là, il me faut du E et du O en profusion. Un trésor n'a même pas été touché pour le moment. Qu'est-ce qu'il va me donner comme lettre pourrie? Ce serait pas un S parce que je pourrais la retrouver là. Enfin, on va voir. Le E, c'est pas un F, hein, c'est bien un E. Hein. Oui. A, E, I, O, U. Bon. Il me reste le O en manquant en voyelle. E. Trésor. Aisé. Donc, s'il me donne un S, j'aurai déjà un premier mot. Là, un 7 et réunira. Tiède. Ah, 2 E. Bon, là, ça s'est bien dévoilé. On espère que ça va continuer comme ça. Tac. Alors, être ou ne pas être, telle est la question. Genre. Un tel. Je suis très très content. Voilà. Avec un S, j'aurai un écu. J'aurai des écus même. Mmh. Content, fait, là, octroyé, ça nous fait 3 U de plus. Ouais, mais ça fait quand même pas mal de choses à gratter pour dévoiler le moindre mot. Donc, et là, on a donc mode, nez, diadème, on a 2 E supplémentaires qui se barrent, on a un ici, dans l'ozone, d'ailleurs, notre couche d'ozone, c'est marrant, on n'en parle plus trop, on a pu être là finalement, et nous sommes en émoi, et voilà, donc E-U-R-O, ah oui, euro, voilà. Hop, un, donc s'il ne donne pas de O, c'est un peu, soit c'est une grille effectivement qui rapportera beaucoup et qui est faite pour ça, soit c'est la grille des désillusions. Alors, 0 comme Z, on a le nez. Voilà, le nez il s'en va et je crois qu'il est tout seul. Yes. Bon, c'est pour la lettre gagnante. Il me faut le N donc pour avoir un mot. N, je le retrouverai là ou pas? Non, ici. Donc oui, ils vont me donner un N, parce que ça va rien me rapporter, très certainement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessous? Oh, le haut. Oh là là. Et j'ai de plus en plus de chances de remporter au moins un truc. Non, mais mine de rien, hein. Il me restera d'avoir les bonnes.
bonne consonne. Ou la bonne consonne. Ouais. Parce que là, il aurait été généreux vraiment en voyelle. Donc, on continue dans le grattage de la lettre O. Dorsal, roi, sol, toile. Bon, il faut qu'il me donne du T, du S, du L, du R. Pour arriver à faire quelque chose de cette jolie plaquette. Une grille qui me rapporterait sur les trois. Là. Ça serait vraiment le top. Ouais, les lettres R, S, L, ça serait vraiment bien, je pense. Ça serait même excellent. Mais bon, on rêve. Pour le moment, il y a 2, 4, 6, on est à 50% de chance de la fortune ou de l'infortune, comme d'habitude. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Oh, ça c'est fait. Donc, hop, ticket de l'espoir numéro 10. Un Y. Ouais, bah, désespoir. Parce que Y, je crois qu'il n'y en a pas un seul. Hein. Donc, ça, c'est un coup dans l'eau. Yavol. Rien à gratter. Donc, c'est une chance en moins. Et juste en dessous, on a quoi? Le F. Bah, je crois que c'est aussi râpé. Là, c'est raté ici. Hein. Voilà, là, on a la fête. Un seul. Oh là là. Ça s'annonçait tellement bien pourtant. Ouais. Mais je crois à la lune. Ça doit être ça. Alors, on continue. On va aller là. Oh, un X, j'en ai vu qu'un. Je crois que j'en ai vu un. Bien, si, tout. Voilà. On va tousser très fort là. On va prendre de l'antitussif. Ah oui. On a eu les Y, on a eu le Z, on a eu le X. On a eu le G ou pas? Pas encore. On n'a pas encore eu le G. Donc il va bien sortir celui-là. R. Oh. R. Waouh. Alors, il me faut du L, il me faut du N, il me faut du S, et même peut-être du T, pour avoir vraiment une grille de ouf. Mais, ça n'arrivera point, car je sais qui je suis, un gros malchanceux. Alors donc, je conserve mes espoirs, là j'ai déjà un mot, waouh, dingue. R... Et le Y, je l'ai, je crois. Ah, il est là, le Y. Hop. Donc là, il me faut vraiment un T. Hein. Il me faut un T, s'il vous plaît. Un T. Tac. R. R. Donc là, c'est terminé pour cette grille-là. Et on a ici le R. Alors, là, on a un mot, déjà. Et il me faut vraiment le T, parce que le T, il serait là aussi. Aïe. R. Encore un autre. Putain, 4 possibilités, là. Ah, ça serait trop bien. Je me fais mon film, hein. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir me donner comme lettre pour qui ne vont pas me faire progresser dans ma quête du bonheur et de la richesse. J'ai fait ça. On va commencer en bas, là. B comme... Bah c'est dommage, parce que là j'ai ça. B. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres d'ailleurs. Le K, il me sert à rien. Capote. Si j'ai Jokari. Les deux mots. J'ai déjà 10 balles là. Oh, je viens de vous gratter ça, mais sans vous faire voir, sans vous faire... Hop, j'ai le Jokari. Jokari et Euro. Et repu, j'ai trois mots là. R, E, P, U. Ouais, j'ai trois. Ah, j'ai trois mots là-dessus déjà. Ici, il me met un M. J'ai quatre mots. Donc trois mots, c'est 20. Ouais, mais trois mots, c'est 20 balles. C'est vrai que c'est que 20 balles. Mince. Bon.
Déjà 20 balles. Hop. 20 balles et 2 chances. 20 balles et 2 chances. S'il me sort du S, ça me ferait 10 balles de plus là. Ça me ferait. Et un T. Si j'ai du T ici, j'en aurais là, une là, un là, ça me ferait 2 là, ça me ferait 2, 2. Ouais, ça serait cool. Ouais, on va voter pour le T alors. Allez, à voter. Pourvu que. Maintenant, ça c'est un D. Comme D comme abondant. Mais moyennement abondant, tiède. Ah, s'il y a le T. Oh là 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 là. Ça serait génial s'il y avait un T là-dessous. Dorsal. C'est tout. Mode. Diadème. Ouais, un M ou un T. Un M ou un T ou un N. Bon. Alors, est-ce qu'on va avoir du pot? M. Un M, j'ai dit. Hein. Donc, M, là. Donc, cette grille-là, hop, m'a pas apporté. Là, le M, il n'y avait pas. Et c'est là qu'il y avait un M à mode. Un M et moi. Donc là, j'ai 4 mots. 5 mots. Diadème. 5 mots, ça fait 100 balles. Ouais, j'ai gagné 100 balles. J'ai gagné 100 balles. Je suis riche. Ah, mon Dieu. 100 balles. Alors, 1, 2, 3. Ah, si j'avais eu un S. Bon, ça en fait 200. 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai 5 mots. Bonbon, 5 mots. 5 mots égale 100 balles, chers amis. J'ai gagné 100 balles. Ça me fait déjà... Bah, ça y est, j'ai amorti le ticket. Le carnet, pardon. Ça fait plaisir. Donc, là, là j'ai pas de S, malheureusement. Donc, je suis triste, parce que là, j'aurais pu gagner quelque chose. Mais j'ai pas de S. Bon, 10 balles. Et là, L-U-N-E, donc le U, je l'ai, le E, je l'ai, mais j'ai pas le N. Et j'ai pas le... C'est ça, malheureusement. Donc non, 50, et R-I-C-H-E-S, et ma R-I-H-E-S. Eh ben non, j'ai le R, j'ai le I, j'ai le C, et je n'ai pas le S, et je n'ai pas le H. Mais là, j'ai 100 balles. 100 balles. 100 balles, 100 balles. Je pensais que c'était celle-là qui allait me donner quelque chose, mais c'est vrai que s'il m'avait donné le S, ça m'aurait fait deux mots là-dessus en plus. Oui, bah le M, c'était bien meilleur. Hein. Quelle bonne lettre, McDonald's.